Seigneur, qui a fait le sang pour se vider ici, les gens.
Puisque le Seigneur lui-même déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Donc tu vas reconnaître, tu vas dire Seigneur, sans toi et avec les amis, je ne peux rien faire. Que ton esprit me visite, c'est encore. Que ton esprit me conduit, Seigneur Jésus. Que ton règne me visite encore, Seigneur, afin que je t'adore et aider les amis. Seigneur, selon ta volonté. Alléluia. Tu vas aider les amis et tu vas visiter le Seigneur Jésus pour ce soir. Alléluia. Il est dans toi. Il est la puissance. Seigneur, que la paix vienne sur toi. Seigneur, que la paix vienne sur toi. Il est la puissance. Et oui, le Seigneur, par ton cœur. Le Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer à l'esprit en vérité. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Fais marcher ce pays. Fais marcher ce pays. Seigneur, je veux t'adorer dans l'esprit en vérité. Seigneur, je veux te célébrer dans la vérité. Seigneur, je veux te célébrer dans la vérité. Seigneur, dispose ton cœur. Seigneur, dispose ton cœur. Seigneur, pour tout le monde,
Seigneur, que ta grâce soit sur la vie. Alléluia. Et le nom de Dieu. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie.
Seigneur, tu m'as vu ce qui est caché dans ma vie. Que l'ennemi utilise le pouvoir d'aller. Seigneur, que ta grâce soit bon. Seigneur, que la grâce soit bon. Seigneur, que la grâce soit bon. Oh, Seigneur. Seigneur, si j'ai une fois de Contrôle ma langue, contrôle ma bouche, contrôle ma langue,
grâce, sans assévérer le ciel, sans assévérer le ciel. Seigneur, change mon langage. Je vais parler quand tu parles. Je vais marcher quand tu marches. Seigneur, merci quand tu me l'accordes. Tu déclares tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Nous le recevons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Le Seigneur, il ne cesse de nous dire qu'il faut demander. Alléluia. Parfois, d'autres se plaignent. Ah, je n'ai pas à prier, je n'ai plus à partager à la parole. Parfois, nous marquons simplement aussi de demander si nous voulons se dire. Alléluia. Parfois, nous voulons chercher des formules extraordinaires pour rencontrer le Seigneur. Oh, nous voulons pas demander simplement. Alléluia. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Cette prière pour la vie, si tu as la foi, tu vas voir, tu vas te réveiller et tu vas voir que l'amour pour le Seigneur en toi augmente. Alléluia. Parce que tu as tous ces pouvoirs, Seigneur. Augmente en moi l'amour de ton Seigneur. Alléluia. L'amour de la sainteté. Tu vas commencer à respirer la sainteté. C'est-à-dire, là où tu trouves, tu vas respirer l'odeur de la sainteté. Tu es la sainteté. Alléluia. Quand c'est le péché là, tu sens que c'est mauvais. Tu sens le mauvais odeur. Alléluia. Il y a l'odeur de la sainteté. C'est la vérité. Alléluia. Là où il y a la sainteté, plus là, quand tu vas. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alléluia. Pour continuer le fait de rester à la mauvaise chose, il va y avoir le nom de la sainteté. Alléluia. Le nom de la pureté. Le nom de la justice. Alléluia. Tu n'as pas connu la pureté. On va tout décider, on va le mettre. Alléluia. 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 Les gens vont vous abandonner. Alléluia. Que le volume pour que nous puissions de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Sous ton esprit, esprit de Dieu vivant, sous ton esprit en bas, esprit de Dieu vivant, sous ton esprit de Dieu vivant, sous ton esprit, 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 esprit de Dieu vivant, sous ton esprit en bas, esprit de Dieu vivant, sous ton Thank you.
Thank you.
Yeah.
vêtu d'une longue robe et ayant une
qui dort sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à le lait ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes œuvres. Et il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Acclamons-le. C'est le feu comme il a allumé. Alléluia.
irrésistible. Tu ne peux pas être dans cet environnement et sûr que tu vas sortir et tu vas rester comme ça. Non. Tu es aussi porté par le futur. Alléluia. Mais c'est Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas lui faire. Ce que tu vas lui confirmer sur ce pays. Seigneur, tu veux nous montrer que le rebelle, tu lui as donné encore une autre dimension. Tu lui as donné une autre puissance à ce rebelle, dans ce pays. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire aussi, Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux que tu sois toujours au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas ton amour, mais nous t'avons seul. Tu es notre or, tu es notre diamant, tu es notre argent, tu es notre richesse, tu es tout pour nous, Seigneur. Si le monde nous abandonne, si nos parents nous abandonnent, toi, tu nous as cédé. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. Ce que tu veux nous faire, Seigneur, en ce lieu, la paix que tu veux nous montrer en ce lieu, que chacun de tes enfants reçoit cette paix, que reçoit cette paix, 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 au nom de Jésus. Le prêche de la paix. C'est lui qui donne la paix. Il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la paix dans les richesses. Il n'y a pas la paix dans les beaux bâtiments. Il n'y a pas la paix dans les luxures. Mais la paix se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. Et c'est lui qui est le souverain, le prince de la paix. Il est là et tu dois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Tu 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 reçois cette paix. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois dans ton cœur. Ton cœur a besoin de la paix. Ton cœur a besoin de la paix. Ton cœur a besoin de la paix. Il dit, recevez ma paix. Recevez ma paix. Recevez ma paix. Recevez ma paix. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci pour ce que tu veux nous faire, Seigneur. Tu veux nous guérir nos cœurs. Nos cœurs qui étaient abattus. Nos cœurs qui étaient troublés. Nos cœurs qui étaient remplis de soucis de ce monde de vanité. Tu veux nous combler nos cœurs de la paix. La paix qui est au-dessus de toutes choses. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Dans l'été de la case de quelque chose de très. Alléluia. Vous avez marqué un grand tournant dans le réveil. Vous savez, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas mort, la joie. Et c'est cette joie que le recherche. Ils vont se retrouver dans les bras de Dieu. Tu vois les bouteilles d'alcool. Ils vont se retrouver, tu vois des plantes, tu vois des billes. Ils pensent que c'est ça qui est dans la joie. Mais je sais que ta joie que tu as exprimée, n'a rien à voir avec ce que tu as mangé. N'a rien à voir avec ce que tu as porté. N'a rien à voir avec tout ce que tu as dit. Mais cette joie vient de Jésus. La joie de l'esprit. C'est pour amener ce réjouissez-vous. Soyez toujours en joie. Amen. Que personne ne vole cette joie. Alléluia. Parce que la joie engendre la paix. Amen. La joie engendre la paix. Et c'est ce message que je vous donne, la paix. Que l'Église soit en paix. Amen. Ça confirme le message qui nous a envoyé ici. Prends courage, ne crains rien, car il arrive tout seul et il est déjà là. C'est pour la joie. Amen. Bien-aimés, nous rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, pour cette mission du Sénégal. Amen. Cette mission du Sénégal qui a été
Nous démissions les plus brefs, mais les plus puissances. Amen. Puisque ce qui s'est passé pendant ces quelques jours, spirituellement, c'est grand. Alléluia. De la même façon que les médias du monde relaient les informations, tout le monde est informé de tout ce qui se passe dans le monde, de la même façon que les médias cessent, soit de relayer ce qui se passe en ce moment. Alléluia. Et beaucoup de personnes dans le monde vont recevoir des révélations. Alléluia. Sur le réveil du Seigneur. Amen. Donc, vraiment, soyez fortifiés. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Et ceux qui sont les plus forts, ceux qui ont reçu la grâce de résister, en soutenir les frères qui ont tendance à relâcher. Alléluia. À la marche, et à cette aide, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de force, très. Amen. Ceux qui en ont suffisamment doivent aussi aider. Alléluia. Doivent aider les frères. C'est de cette manière que cette église sera bâtie et sera force. L'église étant dans l'idée de vivre une église très forte. C'est ce qui caractérisait l'église primitive. Si nous regardons, nous disons ce qui s'est passé au temps des premiers disciples, les toutes premières personnes qui ont cru en Jésus, qui sont entrées dans l'église, ce qui les caractérisait, c'était cet esprit de simplicité et d'unité. Alléluia. Le Seigneur vous invite à la simplicité. Amen. Vous invite à l'unité. Et la simplicité et l'unité utilisent ce qu'on appelle le lien de l'amour. L'amour est comme le sang, amen, qui est dans le corps humain, qui apporte la vie. Alléluia. Lorsque le corps humain est dépourvu du sang, on dit que le corps est mort, n'est-ce pas? Il en a de même pour l'Église. Lorsque l'Église est dépourvue du vrai amour, parce qu'il y a l'amour, il y a le vrai, il y a aussi l'amour. Amen. Il y a l'amour, il y a l'amour. Amen. Il y a l'amour du monde, il y a l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Amen. C'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu que nous devons cultiver. Amen. Cet amour n'a rien à voir avec la personne. Amen. C'est un amour, plutôt illimité, un amour inconditionnel. Amen. Je ne t'aime pas parce que tu m'as fait du bien. Je ne t'aime pas parce que tu viens à l'église. Non. Je t'aime parce que je dois t'aimer. Amen. C'est ça l'amour. Véritable amour. C'est cet amour que Dieu veut. Ça n'a rien à voir avec « Ah, qu'est-ce qu'il va me donner en retour ?» Non. Alléluia. Cet amour dépasse l'amour du mariage. Alléluia. Parce que l'amour du mariage, c'est un amour qui est basé sur les intérêts de Dieu. Mais ici, cet amour, son intérêt, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne devons plus se mettre dans une mentalité de « Qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce qu'il va faire ?» Qu'est-ce que tu as fait à Dieu et Dieu est vivant? Tu n'as rien fait. Amen. Il y a des gens qui peut-être te disent que ta situation est grave. Ta situation est vraiment, elle est totalement la déchéance. Tu te lamentes comme c'est la personne ici la plus misérable. Oh, il y a quelque part, il y a quelqu'un qui cherche à être à ta place. Alléluia. Il y a quelqu'un quelque part qui veut juste marcher, simplement. Juste pour ne pas le soleil. Il ne peut pas. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas malheureux. Alléluia. Nous ne sommes jamais malheureux. Nous sommes heureux. Amen. Donc tu es heureux. Tu es heureuse. Alléluia. Ta situation en réalité est meilleure. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est pourquoi il nous dit lorsque nous sommes en Christ, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Si vous comprenez maintenant. Donc on n'a plus besoin de se lamenter. Non. Une fois que j'accepte Jésus dans ma vie, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. C'est Dieu qui permet cela. Parce que je suis désormais pour Dieu. Et rien ne peut m'arriver sans que Dieu le permette. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est comme l'aigle, ou bien le bouche, c'est comme la poule qui a ses enfants, ses poussins. Alléluia. Et à chaque fois que la poule se déplace, les poussins
La suite, n'est-ce pas? Lorsque les bénis viennent, qu'est-ce que la femme fait? Elle court pour défendre ses enfants, ses poussins. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi est dans ses ailes, pour nous protéger. Il a ses anges autour de nous. Il y a des milliers d'anges qui nous entourent, vous le savez. La Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Mais il y a cela autour de nous. Lorsque le prophète Élisée, à un moment donné, va dire, éternel, pour les yeux de ton serviteur, pour lui montrer que ceux qui sont avec nous sont nombreux, que ceux qui sont avec eux. Et Dieu a montré aux serviteurs les chars de feu qui sont tellement des milliers autour de nous. C'est comme ça aussi. Alléluia. Donc vous êtes entouré des milliers d'anges. Donc vous n'avez rien à craindre. Amen. Vous n'avez rien à craindre. Même si tu tombes, tu ne tombes pas. Alléluia. Tu ne tombes pas parce que ta foi ne te permet pas d'accepter que tu tombes. Alléluia. Donc ne voyez plus les choses par la vue. Amen. Voyez les choses par le regard de l'esprit. Amen. Avec l'esprit, en esprit, nous avons tout. Et c'est la vie de l'esprit que nous devons vivre des hommes. Amen. Donc nous vivons la vie de la chair. Mais nous avons parlé sur la foi. C'est très important comme un élément central. Alléluia. Dans la vie spirituelle. Dans la vie par l'esprit. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Pour vous, là, Dieu fera toujours. Si Dieu ne vous donne pas, qui va donner? Posez-vous la question. Il va donner ça à qui? Si Dieu ne vous donne pas, il va donner ça à qui? Voyez aux gens de dehors. Non, c'est à vous. C'est à vous. Donc, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous fait. Amen, amen. C'est pour votre bien-être. Amen. Donc, plus de murmures, plus de soucis, plus de critiques. Amen. Parce que tout ça, là, ça détruit plutôt une foi. Parfois, nous sommes pressés. Parfois, nous sommes impatients. Nous voyons les choses vite. C'est normal. Nous sommes quelque part encore charnels. Alléluia, nous sommes encore naturels. Nous sommes encore humains. Amen. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ça. Mais il veut qu'on vienne à son niveau. On appelle sa dimension. Et la dimension de Dieu, c'est la dimension de l'esprit. C'est pourquoi nous devons sortir de notre coquille de naturel. Amen. Pour rentrer dans la coquille du surnaturel ou bien la coquille de l'esprit. C'est pourquoi le seul chemin qui vous permet d'aller vers ce niveau, ce n'est ni la prière, ce n'est ni le jeûne, c'est quoi? La pratique des vertus de l'amour. L'amour. L'amour est le seul chemin. C'est bien. L'amour est le seul chemin. C'est pourquoi Dieu dit que même si tu fais une démonstration, tu invoques le feu du ciel. Alléluia. Tu appelles les choses viennent. Tu peux même te donner en offrant dans un feu. Alléluia. Si tu pars toute la langue de la terre et que tu n'as pas ce qu'on appelle l'amour, c'est que tu ne vaux rien. Alléluia. Les gens qui manifestent plus l'amour sont plus protégés. L'amour est comme protection. Amen. C'est comme un bouclier. C'est ce que vous savez. Lorsque mon frère me fait du mal et que je l'aime, je ne garde rien du mal en lui. Je ne lui rends pas le mal. Amen. En fait, ce que je lui fais, je suis en d'établir autour de moi un bouclier. Pour moi, je ne vois pas. Mais en l'esprit, c'est un bouclier. Ça veut dire que je renforce ma protection. Et plus je renforce ma protection, plus je deviens Dieu. En quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu commence par s'illuminer à travers ma personne. Et seul amour peut triompher. Amen. Seul amour peut vous amener à la victoire totale sur les ténèbres. Parce que, à la différence des ténèbres, vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons quelque chose de terrible. La Bible dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chères. Alléluia. Donc elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et quelles sont ces âmes? La vérité. L'amour, on n'a pas cité épée. On n'a pas cité couteau. On n'a pas cité feu. Non. Mais plutôt la vérité, l'amour. Ce sont les âmes puissantes que nous devons revêtir. Lorsqu'on parle de revêtement spirituel, nous parlons de ces choses. Amen. Ce n'est pas quelque chose que je vais porter. Quand on parle du le casque du salut, on parle de la cura de justice, la sainte vérité. Ce n'est pas quelque chose physiquement que je mets. Non. C'est nature.
Alléluia. C'est là-dessus que vous devez vous révéler. Amen. Je me révèle de l'amour. L'amour devient quoi? Mon bouclier. L'amour devient quoi? Mon armure. Le diable, lorsqu'il va venir, va trouver l'amour, il pourra rester. Et comme Jésus a dit, le prix du monde vient, il n'a rien. Toi aussi, les sorciers vont venir en nous, ils vont les trouver. Ils ne peuvent même pas entrer dans ta vie, ils vont entrer par où? Puisque l'amour devient barrière. Amen. L'amour devient une barrière inébranlable. Donc il faut que l'amour vraiment règne davantage dans l'existence. Je reviens encore sur ça. Parce que le Seigneur me met à pression de vous parler du sacrifice. Alléluia. De vous parler d'amour comme le véritable moyen de la manifestation puissante de Dieu dans l'Église. Et l'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple des premiers disciples. Alléluia. Quelqu'un a quand même lu Actes 4, verset 34 à 38. Actes 4. Actes 4. Le verset 34. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les gens. Acte 4, verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu. Et le déposer aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, ordinaire de Chypre, vendait nos champs qu'il possédait. C'est bon. Alléluia. Relisez encore le premier verset. Et dites-moi, la petite de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà. La multitude de ceux qui avaient cru n'était quoi? N'était que cœur et qu'une âme. Ils étaient parfaitement unis. C'est comme si ils ressentaient simultanément la même chose. Alléluia. C'est comme tout le monde à l'église ressent la même chose. C'est comme tout le monde voit de la même façon. Alléluia. Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Tu sais ce qu'ils étaient? Que ce cœur. C'est-à-dire qu'ils étaient unis dans le cœur. Il n'y avait pas de différence entre eux. Il n'y avait pas de petit, il n'y avait pas de grand. Il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas d'esclave. Mais ils étaient tous d'un même cœur et qu'une âme. Alléluia. Comment ils sont arrivés là? C'est la question qu'on va se poser. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande grâce qui reposait sur eux tous. La grâce dont on parle ici, c'est la présence de Dieu. Mais dont la prière de couvrir chacun d'eux, couvrir toute l'église, c'est bien que les ténèbres ne pourront pas entrer. C'est ce qui a justifié la mort de Ananias et de Saphira. C'est à cause de ça. C'est à cause de l'unité qui régnait dans l'église. C'est à cause de la paix, de l'unité d'esprit, de l'amour, de l'atmosphère, de cette union, cette charité qui régnait dans l'église, que Dieu a frappé Ananias et Saphira. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu protège son église lorsque l'église
suis ses pas. Lorsque l'Église est unie, je vous ai dit que la chose la plus dangereuse que le diable n'est pas ses ennemis. C'est pourquoi il préfère diviser pour régner. Et quand vous constatez que dans l'Église, il y a déjà des poches de division, tel est pour tel est pour telle conviction, tel autre est pour telle autre conviction, ah, nous, là, nous sommes de tel côté, nous là, c'est là on reste. Nous ne parlons pas ceux d'ici, nous ne parlons pas ceux de derrière. C'est déjà le signe de division. Amen. L'Église n'était pas comme ça. Ce qui faisait que Dieu protège son Église. Mais quand l'Église est comme ça, le jour où un sorcier va faire erreur, va rentrer ici. Là. C'est lui qui va convenir, dire, oh, il y a un feu ici, aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Parce que Dieu veut lui menacer de mort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée qui est là. Et comme le ténèbre veut s'approcher, Dieu agit automatiquement. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu a du mal à frapper. Parce que l'Église est remplie de divisions. Les cœurs sont divisés, les cœurs sont séparés, les cœurs sont loin les uns des autres. Mais dans ce cas, Dieu, si le sorcier vient, et que Dieu frappe le sorcier, mais l'autre, les autres qui ont le cœur divisé là, ne sont pas des pécheurs. Dieu sera vieux, Dieu est juste, Dieu méchant, deux poids, deux mesures. Non, Dieu a le même traitement pour son enfant et pour aussi les autres, les enfants de dehors, en termes d'obéissance à sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui les sorciers se trouvent à l'aise de venir à l'Église. Ceux-là sont même à l'aise même. Et ils contrôlent même l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est divisée. Parce que les gens ne savent pas. Parce que les gens se gardent dans l'Église. Les uns les autres. Mais parce que les gens sont hypocrites, ils sont faux. En apparence, ils sourient, mais au fond du cœur, c'est la rage, la conscience, la haine. Ils respirent. Mais Dieu dit, je ne veux pas ça. Si l'Église de Sénégal atteint ce niveau-là, vous allez voir, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous n'allez rien manquer. Alléluia. Vous ne manquerez de rien. Si c'est ce bâtiment qui vous plaît, il va vous donner. C'est même petit pour Dieu, même. Ce sont même des bâtiments de retraite. Ça va, c'est pour nous. Amen. On aura ça de grands espaces. Amen. Pour faire le culte. Parce que Dieu voit que ce troupeau est uni. Comme le troupeau est uni, il voit que c'est la sécurité qui est ici. Donc il va chercher les âmes qui sont en esprit, il va les envoyer ici. C'est lui qui va faire ce travail. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit a ajouté au jour le jour ceux qui étaient sauvés à l'Église. Vous n'avez pas besoin de vous céder tant dans l'évangélisation. C'est Dieu qui envoie les âmes. Vous n'avez pas besoin. Est-ce que les disciples allaient de lui en lui pour évangéliser avant? Non, vous ne faites pas ça. Et pourtant, les gens faisaient 5 000, 3 000, ils s'ajoutaient à l'Église. Parce qu'il y a une force qui travaille dans les cœurs à mener les âmes. Imaginez que cette Église-là est troublée, cette Église est divisée. Et vous dites, Seigneur, amène des âmes. Si le Seigneur amène des âmes, les âmes qui vont amener là, les âmes auront plus de problèmes qu'ils en avaient avant. Donc, c'est que le Seigneur a été mal agi d'envoyer les âmes ici parce que l'aide qui sera encore pire qu'avant. Il dit, mais moi, je préfère rester là où j'étais. Là où j'étais, c'était mieux, mais ici, regardez comment tout le monde est. Tout le monde me regarde bizarrement. On savait que je ne répondais pas. J'ai un problème, personne ne demande après moi. J'ai fait personne ne demande. Moi, je vois, moi, il ne m'appelle mais pas. Vous voyez? Donc, il préfère retourner là où il était. Parce que ça, là où il était dans le monde prenait soin de lui, il n'a pas de problème. Même les gens du monde savent, c'est lui. Alléluia! Maintenant, l'amour a disparu du vrai Dieu, de l'Église. L'amour a disparu du royaume de Dieu qui est sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur veut vraiment que nous retissions ces liens. Amen. Le lien d'amour, le parfait amour. L'amour ne regarde pas la personne, non. Je ne regarde pas la personne, non. L'amour qui regarde, c'est l'amour charnel. Alléluia. L'amour qui tient compte de la considération de la poche de la personne. L'amour qui tient compte du statut de la personne. L'amour qui tient compte de la beauté de la personne. L'amour qui tient compte de l'origine, de l'ethnie, de la couleur de la personne. Non, cet amour, ce n'est pas l'amour de Dieu.
C'est pour la Bible qui dit que l'amour soit sans hypocrisie. Alléluia. Je vous dis la vérité, si vraiment cela est important, tout le monde sera béni. Tout le monde sera béni. Il y aura tellement de l'abondance à l'église. Tellement de l'abondance. Tellement de l'abondance. Donc c'est un travail personnel. Alléluia. Chacun doit faire ce travail. Chacun doit abandonner Christ. Il doit s'abandonner, même si je veux dire. Chacun doit s'abandonner. Je ne suis rien. Amen. Si chacun comprend que je ne suis rien, ça veut dire que c'est déjà un pas vers l'amour. Je ne suis rien. Donc si je suis quelque chose, je le suis pour les autres. Amen. Donc je suis là parce que je dois servir les autres. Je suis là parce que je suis utile pour les autres. C'est comme ça. Ah, je suis le but aujourd'hui. En quoi je suis utile pour mes frères? C'est ça la question, en fait. L'amour, c'est la communion fraternelle. Amen. On va rentrer dans les valeurs. Parce que au moment où je veux laisser l'église en Romain. Amen. Mais il faut que l'église que je veux laisser aujourd'hui soit une église solide, une église unie. Lorsque le diable va venir, pour tenter, parce qu'il vient de la matière, il va venir. Il va venir. Pour vraiment éprouver la stabilité, la solidité de l'église. Est-ce que l'église est stable? Est-ce que l'église est solide? Est-ce que l'église est ferme? Il viendra que ça. C'est à vous de prouver que oui, l'église est stable, l'église est ferme, l'église est solide. Par quoi? Par les vertus. Par quoi? Par le politique. Par quoi? Par le politique. Vous n'avez pas venu, vous n'avez pas venu, Seigneur, baptise ou baptise. Non. Le Saint-Esprit est déjà là. On dit une grande grâce, les mouvements, tout c'est ça, la puissance de cet esprit, le revêtement. C'est pourquoi on dit que Pierre même passait et les malades étaient guéris. Il y avait tout de guérison à l'époque. Pourquoi aujourd'hui la guérison, les miracles ne disent pas de l'église? Parce que l'église n'est pas guérie. Parce qu'il n'y a pas la paix. C'est tout ça, quelqu'un qui a chassé la présence puissante de Dieu dans l'église. Dieu est là par défaut, Dieu est dans l'église par défaut. Dieu ne retrouve plus sa position qu'il avait occupé autant des pierres, autant des gens, tous ces éléments. Donc, c'est chacun maintenant qui doit faire ce travail pour que l'Église retrouve maintenant sa noblesse, que l'Église retrouve maintenant son identité avec lui, le royaume de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui règne dans l'Église, c'est Dieu qui est le chef, c'est Dieu qui est le roi, c'est Dieu qui est le président. Amen. C'est lui qui ordonne. On a rien, on n'a pas à se plaindre. C'est lui qui pourvoit. Il dit, j'appellerai, je vais surprendre les richesses des nations pour vous. L'homme viendra de Tassis. Les rois viendront avec des présents devant vous. Quand on dit les rois, c'est les riches qui vont venir. Donne des présents, les petits, vous apprenez les richesses des païens pour vous donner. Les musulmans vous disent, on vous donne ceci. C'est ça. Vous allez profiter de leur richesse, c'est ça. C'est comme ça. Lorsqu'Israël est venu à Canaan, c'était le territoire des autres. Mais Israël les a chassés là, puis il y a un autre territoire. C'est comme ça. Alléluia. Donc, nous devons revenir à cette vertu qui est l'amour. C'est très important. C'est très, très important. Je dois savoir que mon frère qui est là, c'est une partie de moi. Amen. C'est une partie de moi qui est là. Même si quand il parle ça pour ça, c'est une partie de moi. Amen. C'est parce que quand il parle ça pour ça, que vous faites ça mal. Je ne veux même pas vous amener. Donc quand on dit ça, les autres, j'essaie de me noyer un peu pour ne pas le croiser de la croisée. Alléluia. Et pourtant, ça pour ça, et Jésus l'aime. Hein? Combien? C'est ça. Bon, c'est ça pour ce qui sort. Maintenant, toi, là, ton cœur est mauvais. Alléluia. Entre la bouche qui sort et le cœur qui est mauvais, qui a osé? Hein? Ah! Toi, la bouche qui sort, qui a osé? Toi, combien de là? La bouche qui sort, qui a osé? Mais le cœur méchant, le cœur hypocrite, hein? Le cœur, quand il dit je t'aime, c'est qu'il te dit je viens pour te chiffler même. Alléluia. C'est pourquoi, tel que vous êtes intérieur, ce que vous devez aussi être à l'esprit.
ce que je suis intérieur, c'est ce que je suis physiquement. Tel que vous voyez, tel que je suis, soyez comme ça. Correspondez à ce qu'il y a en vous. Amen. Si vous, si vraiment vous donnez le sourire, il faut que le sourire vienne au fond de vous-même. Que le sourire soit réellement sincère. Alléluia. L'amour, vous savez, lorsque on finit le culte, on rend le culte au Seigneur. Lorsque tu veux adorer le Seigneur maintenant, c'est là qu'on va développer ce qu'on appelle la communion fraternelle. Malheureusement, la communion fraternelle a disparu de l'église. Vous voyez, quand on finit le culte, tout le monde est pressé, c'est ça. Chacun a son enfant. Et on est où? Oui, Jacques, oui. Oui, Jacqueline. Venez, venez, va pouvoir rentrer. Le tassement est là. Vous voyez, donc chacun est pressé de rentrer la maison. Quel temps nous avons partagé la communion fraternelle? On a vu ça. Le culte que nous faisons, ce n'est pas la communion fraternelle, non, ce n'est pas ça. Non. Alléluia. Le culte que nous faisons, ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion, c'est les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Est-ce que vous avez le temps de discuter dans la suite? Est-ce que vous avez le temps de discuter? C'est après le culte qu'on fait ça. C'est après qu'on voit son frère. Ah, comment s'est passé ta semaine, tout ça là? Quels sont tes projets? On partage, on prie ensemble. On mange ensemble, on loue ensemble. C'est ça la vie, la vraie vie de l'Église. Alléluia. Malheureusement, l'Église, le stade, il pense, elle doit devenir, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, mais c'est pas ça. Je vous dis la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et chacun cherche juste son propre intérêt. Amen. C'est quand tu peux parler tout les langues, tu peux parler les langues de feu, tout ça. Ça te réjouit, tu dis, ça ne va pas, ça ne va nulle part. Mais celui qui est revêtu de l'amour, celui qui marche dans l'amour, celui qui est caractérisé par l'amour, lui, les portes du ciel sont ouvertes pour lui. C'est celui qui a fait la volonté de Dieu, c'est ça. D'ailleurs, comme tu le commandement de Dieu repose sur quoi? Sur quoi? Sur l'amour. C'est ça en fait. Tout le commandement de Dieu repose sur l'amour. On n'a pas dit que le commandement de Dieu repose sur la prière, repose sur les langues, repose sur... Non, c'est pas ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Celui qui aime son prochain. Comme lui-même, il a accompli toute la gloire. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux mal parler de la suite? Je peux mal parler d'elle? Non. Si quelqu'un est en train de parler mal d'elle, je vais vous dire. Je t'arrête ça. Parce que c'est de moi que je parle. Qui va accepter qu'on parle mal de lui devant lui? Qui va accepter ça? On te dit que tu regardes comment tu es Dieu ceci. Toi, tu vas accepter. Toi, tu défends moi. Ah. Donc, ce que je dis, c'est très, très, très important. Amen. L'amour, c'est quelque chose de très, très grave. Je vous dis la vérité, si vous pratiquez l'amour là-bas. Vous réglez les enfants qui vous disent la vérité. Vous êtes tellement puissants. Vos prières ne sont comme des paroles de bonne odeur. Et que Dieu ne soit pas empressé même de vous voir. Vous passez plus de temps dans la vie inutile. Jeûne, mondial, 50 jours, 10 jours, 80 jours, 100, comment appelle 100 jours, 1 an. Ça te rétit. Tu fais tout ça, mais ton cœur n'est pas. Ton cœur est tordu, ton cœur est méchant, ton cœur est mauvais, ton cœur est doux, ton cœur est faux. Alléluia. Ça, c'est à l'église, dit la vérité. C'est pas Dieu qui va arriver à le cadrer, le jeûne, son vrai sens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous vous couchez, vous vous mettez, c'est que c'est maintenant que le ventre va devenir plat, les sauces que va pas sortir, voilà. Le frère, la soeur, il faut dans le sang de vingt jours. Non, c'est de la comédie. Dieu va vous mettre. C'est de la comédie. Arrête de jouer à la comédie. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas des squelettes que je veux voir. Non! Je veux voir ton cœur. Amen! Si ton cœur est bon, à quoi c'est le jeu? Là, c'est à rien. Mais vous ne savez pas pourquoi vous jouez. Vous ne savez pas pourquoi vous jouez. Vous jouez pour moi. Vous jouez pour moi. C'est obligé à mon Dieu. Ok? C'est obligé chez Dieu. Soit obligé chez Dieu, soit parce que vous pouvez la paix avec moi, vous êtes tombé dans le même péché. Amen! On a dit quoi? Heureux, c'est que le cœur, plus, car, c'est un raccourci. Amen. L'amour, c'est un raccourci. Pas les vertus, c'est un raccourci. Toi, tu penses que tu as jeûné, je ne change rien de Dieu. C'est pas ton jeûne qui va changer la vie. Ton jeûne va arriver à Dieu. Dieu n'avait pas besoin de ton jeûne. Vous agissez. Non. Vous savez pas ça.
Le jeu que nous faisons, c'est Dieu n'a rien à voir avec nos genoux. Ce n'est pas nos genoux qui fait que tu vas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est nous-mêmes. Le jeu travaille pour nous seulement, pour nous rapprocher de Dieu. Mais si j'aime, si j'ai mon frère, si dans mon cœur, bon, alléluia, si mon cœur est pur, c'est fini. Je trouve un chemin et je réponds à une porte d'accès pour se manifester. Donc je suis disposé sur mon canal, un bon vase pour Dieu. Alléluia. C'est très important ce que vous dites. L'amour enrichit. Hein. L'amour, c'est un trésor. Alléluia. L'amour, c'est un trésor. C'est un trésor qui ne finit jamais. Après, il y a plus à donner qu'à nous humour. Le problème, c'est que nous sommes passés dans les modalités hein, rétrogradées du royaume de Dieu. Et ça ne fait pas que non. Nous, c'est toi toujours recevoir, que c'est en recevant qu'on devient riche. C'est en recevant qu'on devient riche. Ah, c'est pas ça. Dans le monde nous enseigne que pour être riche, il faut recevoir, il faut recevoir, il faut recevoir, il faut accumuler, il faut recevoir, il faut rassembler. Oh, c'est faux. La vraie richesse, c'est donner, donner, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est ça la vraie richesse. Tu viens de riche. Tu es des riches, non? Tu es des riches. C'est pourquoi je disais à ceux qui vont tout. Pourquoi être un vrai riche? Vends tout ce que tu as dans sa maison. C'est ça. Et quand tu vas tout donner, c'est là que tu deviens un vrai riche. Le royaume de Dieu est contraire au royaume des hommes. Si tu es des riches dans le royaume de Dieu, si tu es appelé des milliardaires au ciel, il faut faire quoi? Il faut donner. Aujourd'hui, les milliardaires sont craints. Au ciel aussi, on pose les milliardaires du ciel aussi. C'est eux qui ont accès à Dieu direct. Alléluia. Ceux qui ont passé tout le temps sur la terre à donner, à se sacrifier pour les autres. C'est ce qu'on appelle les milliardaires du ciel, super esprit, comme ça. Moi, je veux être riche dans le royaume de Dieu. Je veux vraiment être riche. Je sais que personne n'est pauvre ici. Mais malheureusement, nous pensons que pour être riche là, il faut accumuler. Il faut épargner d'abord, il faut accumuler. Oh, c'est faux. Ça a pourvu. L'épargne a pourvu. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit dans la Dame de Sagesse. Il a des millions sous sa nappe. Il dit qu'il est riche. Mon frère, tu es pauvre. Alléluia. Tu es pauvre, tu es misérable. Tu disais là, mais celui qui va prendre cet argent, il va distribuer aux pauvres. Il va tout donner. C'est lui qui est riche. Parce qu'il a semé, la Bible dit qu'il a semé hein, dans des terres qui vont produire de manière illimitée. Il a semé dans les tabernacles célestes. Tout ce qui rentre dans le ciel, au ciel, alléluia, est éternel. Donc tu as placé ton argent qui va gérer tes terres éternellement. Ceux qui ont fait la grâce, ceux qui ont la grâce d'avoir des comptes bancaires, lorsqu'ils pouvaient trouver d'argent à la banque, ça augmente. Ça donne quelque chose. Voilà. C'est comme ça aussi lorsque vous êtes, lorsque vous aidez quelqu'un. C'est la même façon que votre compte céleste pour pouvoir gérer des intérêts pour vous. Mais si vous êtes là, vous êtes que là, à demander aux autres, vous ne donnez jamais quelque chose. Vous ne soutenez jamais les gens. Votre compte là-bas va diminuer. Et vous serez les plus pauvres du ciel. D'ailleurs, les pauvres n'entreront pas au ciel. Alléluia. Les pauvres n'entreront pas parce que Jésus a dit ça. Il dit que j'étais malade. Je suis venu vers vous. Vous m'avez pas pris soin de moi. Que j'avais faim, j'étais venu. Vous m'avez pas donné à manger. Que j'avais soif, j'étais venu. Vous m'avez donné à moi. Mais je dis, mais quand est-ce qu'on a fait ça avec eux? C'est lorsque vous n'avez pas fait ça à mes frères, à vos semblables. C'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Tu peux avoir des fois, comme vous le voulez, toutes tes réserves, toute ta richesse actuelle. Amen. Tu peux offrir un effort à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Tu peux donner tout. Parce que tu connais le Dieu en qui tu as foi. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je vous dis, c'est vraiment sérieux. Si vous pratiquez ces choses, je vous assure, vous serez heureux.
Pour vous que vous voulez pas dire, c'est la vraie source de la richesse. Le monde parle de prospérité. Amen. Amen. La prospérité, c'est Dieu. Hein. Vous savez ça, non? La prospérité, c'est Dieu même. C'est Dieu, la prospérité. Mais pour être prospère avec Dieu, là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner sa compte. Hein? Pas compris, non? Donner. Il faut dire à celui qui a compris, toi, dire donner sa compte. Il faut donner sa compte. Il faut donner. Voilà. Je suis sûr que tu vas plus compris. Tu vas donner à quelqu'un. Amen. Tu mets la main, tout le monde donne du sang. Il ne faut plus faire comme ça. Faut plus. Et il y a des gens qui les doivent savent identifier chaque billet. Et ils connaissent ça, c'est plus de ça. C'est plus de buffet, ils connaissent. 2 minutes, ils connaissent. 5 minutes, ils connaissent. 10 minutes, ils connaissent. Amen. Donc, il veut donner, il regarde. Ah non. Le jour quand il fait rêve, il donne. Ça lui fait mal dans le cœur. Pourquoi il fait ça? Il y a des gens qui ont fait des jours. Qui veut donner l'argent à quelqu'un? Ils veulent donner une petite somme et malheureusement, ils ont donné une grosse somme. Ils ne peuvent plus récupérer. Ils ont regretté d'avoir trouvé. Hey, ça devait parler de Dieu. Ça devait mal d'avoir donné ça. En fait, tu dis Dieu m'écoute ton sein. C'est Dieu qui a fait ça. Pour t'enseigner. Toi, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Mais quand vous donnez aux gens, donnez grand aux gens. Amen. Donnez grand. Quand tu donnes, il faut donner grand à la personne. Amen. Il va s'assurer parce qu'il va plus soit que Seigneur, tu m'as béni. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est là où on dit que vous êtes une source de bénédiction pour les gens. Parce que partout, le monsieur dit qu'il est béni. Amen. Donc il a donné le mot, tu as donné le mot au Seigneur. Donc en réalité, c'est toi qui as fait ça. Donc l'argent que tu t'as donné est une source à ton assaut ou quelqu'un d'autre. Vous comprenez? La richesse que Dieu t'a accordée est devenue une source d'adoration, de louange pour quelqu'un de Dieu. Mais si tu ne donnes pas, comment on peut adorer Dieu? Comment on peut louer Dieu? Nous sommes dit que Dieu l'a oublié, sans le maudit Dieu. Vous voyez maintenant? Donc il y a des gens ici, malheureusement, qui n'aiment pas adorer. Amen. Ils n'aiment pas adorer parce que c'est dans cette race qu'ils sont sortis. Voilà qu'on est devenu une nouvelle race. Alléluia. Et puis du coup, vous êtes une race élue. Amen. Vous n'êtes plus de la race terrestre. La race animale. Non, vous n'êtes plus de cette race. Vous n'êtes plus de la race du vipère, du suicide, du chien. Non, vous n'êtes plus de cette race. Mais vous êtes de la race élue. Vous êtes de quoi? Des pierres vivantes. Alléluia. Donc, gardez ces préceptes-là. Et que chacun les garde comme des talents que Dieu vous met. Amen. Que vous allez fructifier ça. Et quand nous allons revenir plus tard, qu'on vous dise, ah, homme de Dieu, venez voir notre cathédrale. Venez voir notre cité. Alléluia. Amen. Je vois des bâtiments à l'infini, remplis des arbres qui sont soufflés. Alléluia. C'est ça. La puissance de l'amour. Je vous dis la vérité. C'est le secret pour recevoir le sort d'amour. Tout ce que vous voyez là, c'est faux. Vous pouvez recevoir toutes les sciences, les spiritualités. Vous pouvez connaître toute forme de spiritualité. Ça va vous amener nulle part. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas les connaissances, c'est pas ça. La vraie connaissance, c'est l'amour. Je vous dis la vérité. C'est ça. Dieu a caché tout dans l'amour, en fait. Il a caché tout. Au lieu de perdre ton temps dans les choses spirituelles, non. Mon frère, ma chère, il faut concentrer ton temps dans l'amour. Combien de personnes j'ai aimées aujourd'hui? Combien de personnes j'ai dit des bonnes choses? À qui j'ai dit des bonnes choses aujourd'hui? Combien de personnes j'ai insultées? Combien de personnes j'ai moins aimé aujourd'hui? Parfois, vous voulez faire une passion de là. S'il vous plaît, commencez par le faire. Commencez par le faire. Combien de personnes tiennent blessées?
Comme des personnes, j'ai échoué. Comme des personnes, j'ai manqué de respect. Faites le point. Pour voir vraiment qui vous êtes. Si vous êtes, si vous êtes vraiment du royaume, vous êtes là. Alléluia. C'est très important. Si tu veux changer, commence comme ça. Gardez, gardez vraiment ce feu d'amour. Si un frère manque, les autres frères doivent chercher le frère qui manque, qui n'est pas vu. Parce qu'il y a un membre qui a manqué. On doit soigner. Lorsque, sur le corps, lorsque un membre a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On soigne le membre. Les autres membres vont se mettre ensemble pour soigner ce membre qui a le problème. Si c'est le bras, si c'est le bras, toi qui a le problème, obligatoirement, les autres membres du corps vont tout faire. Pourquoi pas aller soigner ce bras? C'est ce qu'on fait. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital. C'est les autres, c'est les autres membres qui ont concouru à ça pour que tu aies l'hôpital pour que tu te fais soigner. C'est des choses que Dieu nous enseigne dans la nature. C'est des choses que Dieu nous enseigne dans la nature. Donc, lorsque je vois qu'on est venu au culte, je n'ai pas vu mon frère, je n'ai pas vu ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Là, même, je sens déjà qu'il manque quelque chose de mal. J'ai pris le frère, il est où? Tout ça là. Alors, je prends pour peut-être déjà là. Et dis-moi, Jacques, tu es, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Jacques dit, oh, je suis bloqué à la maison, tu vois, ça ne va pas hier, vraiment. Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que je vais là à l'église. Parce que je n'ai pas les moyens de transport. Dis-moi, les transports, il fallait me dire ça. Ok, je dois avoir transfert Orange. Amen. Fais vite. Amen. Ou bien on vit le but. Déjà, tu vois que le frère là. Vraiment, quand tu vas sauter, tu sais que ça ne va pas. C'est sûr qu'il y a un problème. Amen. Tu mets ta main dans ta poche. Allez, donnez ça à côté. Amen. Le principe, c'est donner ça à côté. Tu mets la main dans ta poche. J'ai ma mère que. Je dans ce point, personne ne sait. Il voit, vous voyez ce que ça fait? Ça donne une joie. Une joie indescriptible. Et ça descend de Dieu. Bon, c'est Jésus qui t'a touché, c'est Jésus qui t'a donné, ça c'est pas moi, c'est Jésus. Parce que l'argent m'a bâti. Amen. Est-ce que vous savez comment l'argent vous a bâti? Vous savez ça? La Bible dit offrez-vous comme un sacrifice agréable à Dieu. Le point, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus, mais ils ne donnent pas leur argent à Jésus. Et tu donnes ce que tu es à Jésus, mais tu ne donnes pas ce que tu as à Jésus. Il y a un problème. Donc, il faut donner ce qu'on est et donner ce qu'on a aussi. Donc, l'argent que tu as ne t'appartient pas, c'est l'argent de Jésus. Donc, Jésus t'a établi comme quoi un économe, comme un gestionnaire. Alléluia. T'a établi comme un gestionnaire. Comment tu vas gérer l'argent que tu donnes? Tu t'as donné le salaire. Tu as pris le salaire pour faire ce que tu veux. Ah, mon enfant d'amour. Je vais voir mon bras, je vais voir mon bras. Je vais prendre le passant, je vais prendre le sol, tout ça. Amen. Et prier pour les autres. Et dans les dimanches, j'ai appris que tu gères mal l'argent que je t'ai donné. Va voir mon compte. C'est là qu'il va frapper la source de levure. On va te licencier. Tu auras un problème, c'est fini. Tu peux le travail. Parce que tu n'as pas donné. Il y a beaucoup comme ça dans leur vie. Comme ça. C'est Dieu qui a frappé. Vous avez dit que si vous êtes dans la crise là, ne regardez pas le diable, ne voyez pas ceci. Non, vous oubliez ça là. C'est Dieu qui frappe. Je vous dis la vérité. Allez rendre votre compte à Dieu et non ceci. Laissez les ceci de l'autre côté là. Ouais, celui qui a permis que les sorciers viennent, c'est Dieu. Donc, au lieu d'attaquer un sorcier, va voir Dieu d'abord. Beaucoup de personnes comme ça, Dieu les a frappés de pauvreté parce qu'ils ne donnent jamais, ils ne partagent jamais. Et ils quittent boulot en boulot. Et dit non, c'est la malédiction générationnelle, c'est la malédiction ancestrale. Non, vous venez de lui. Non, c'est la malédiction de Dieu parce que tu es comment? Tu es avare. Les avares, c'est un enfer. Les avares sont très pauvres. Les avares. Regardez la vie. Tous ceux qui sont avares finissent toujours dans la pauvreté.
Toujours dans la pauvreté. Parce que si tu donnes, la vie ne va jamais te frapper. Parce que toutes les personnes que tu as aidées là, tu ne sais pas que Dieu aussi les retourne, toi aussi plus tard. Amis, dis quoi? Jette ton père à la surface des eaux. Plus tard, tu le retourneras. Ok. C'est pas ça. Lis-moi Ecclésiaste 11, je crois que c'est avec lis-moi Ecclésiaste 11. Ecclésiaste, ça fait pas le verset que je lis. Alors, vite, vite, vite. Ecclésiaste, ça fait pas le verset que je lis. Il dit au nom de Jésus. Voilà. Jette ton père sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Vous entendez? C'est la salée qui parle. Il dit, jette ton père à la surface des eaux. Vous savez ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer de manière naturelle. D'accord? Et vous allez comprendre au sens spirituel. Il dit, jette ton père. Où? Où? À la surface des eaux. Quand tu vas jeter le père à la surface des eaux, qu'est-ce qui va se passer avec le père? Qu'est-ce qui va se passer? Le père va se dissoudre. Il va devenir quoi? Des miettes. Amen. Ces miettes-là, les poissons qui sont dans l'eau-là, viendront manger ça. Et vont se multiplier. Et plus tard, tu vas voir que le fleuve est rempli de quoi? De poissons. Parce que tu as jeté un seul. Alléluia. Donc, il n'y a rien de gaspillage sur la tête. Non, ce que tu sais de la vie de quelqu'un, ton temps, tu vas récolter ça. Si tu ne regardes pas, tes enfants vont récolter ça. Ça parlera toujours en ta faveur. Alléluia. Apprenez à semer dans la vie des gens. Apprenez à semer. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit, jette ton pain. Il faut jeter le pain. Le pain que tu veux, il faut jeter ça. Pour que les poissons mangent. Plus tard, tu vas retrouver encore beaucoup de pain. Parce que tu vas avoir beaucoup de poissons que tu peux vendre pour avoir beaucoup de paix. Si vous êtes tout le temps des comptables, hein, tout le temps des calculateurs, je vous assure, vous serez déchus de la grâce divine. Vous serez déchus de l'abondance divine. Tout le temps vous faites des calculs, vous avez toujours une calculatrice mentale et spirituelle en vous. Toujours c'est des calculs faits. Vous serez toujours pauvres. Il n'y a pas de calculatrice dans le royaume de Dieu. Amen. Je peux dire à quelqu'un, il n'y a pas de calculatrice dans le royaume de Dieu. Tu peux trouver le calcul. Amen. Alléluia. Donc vraiment, je vous prie à demeurer dans ce lieu d'amour. L'amour, c'est le partage. C'est très, très important. Lorsque j'ai mon frère, il ne s'agit pas que Dieu te bénisse. Non. Le Dieu te bénisse, c'est là. Évitez ça. On veut des dieux. Que Dieu te bénisse en acte. Tu comprends maintenant? Tu veux que Dieu me bénisse en quoi? Moi j'ai fait. Tu veux dire que Dieu me bénisse en quoi? Donc moi mange. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de que Dieu te donne l'argent. Allez, c'est que Dieu m'a payé. C'est ça que Dieu te bénisse. Parce que si quelqu'un m'appelle, dit que Dieu te bénisse, il y a des problèmes. D'accord? Soit la solution au problème. Dieu me bénit comment? Comment? Et Dieu est utilisé pour que tu me bénisses. Tu me dis que tu me bénisses. Dieu est venu. Dieu est venu. Il est où? Hein? Il est où? On soit fortifié. Mais je sais. Pour me donner de l'eau. Pour que je bois. Pour que j'ai la force. Amen. Donne-moi, je l'ai mangé. Que j'ai la force. Soit fortifié. Il dit ses parents. Tout le monde dit ça. Ok, tout le monde dit ça en modifié. Tout le monde dit ça. Ça coûte quelque chose. Non, je veux que tu sois fortifié 10 000 fois dans la journée. Ça te dit. Qu'est-ce qui fortifie quelqu'un? Faut donner la chose. S'il vous plaît, c'est ça l'amour en action. L'amour en action. Les femmes connaissent ça au foyer.
Moi, après, je t'aime la foule. Moi, je veux des actes. Tu me dis, je t'aime, mais je. Quelle la preuve? Tu parles trop. Il faut montrer maintenant la preuve. Il faut confronter maintenant la parole aux actes. Les pommes sont très pragmatiques. Dans ce sens, ça, vraiment, ce qu'on appelle l'amour. Parce que c'est l'amour avec un acte. S'il vous plaît, soyez comme ça. Que Dieu bénisse. Tu sais ce que ça veut dire. Que Dieu te fortifie. Tu sais ce que ça veut dire. Hein? D'accord, Dieu va le fortifier en esprit, mais toi, il faut le fortifier physiquement. Combien? Tu peux pour le Seigneur, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est vrai de Dieu, je suis appelé. Abbé dit que je suis appelé de tous les réseaux spirituels. Voilà, ça c'est écrit. Donc tu veux dire rien de particulier. Mais là, faut oublier. Oh bien, c'est quoi? Elle dit quelque chose de particulier. Hein? Abbé dit que vous êtes béni de tous les réseaux dans le Seigneur. Hein? C'est ça, non? Vous êtes dit que Dieu me bénisse. Je sais ça. Tu m'as déjà appelé, Dieu sait. Ça c'est spirituel. Maintenant, et la bénédiction physique, qui va me donner ça? C'est pas toi. Si vous faites donner, vous avez bien, vous voulez avoir que vous soyez beaucoup plus riche. Vous soyez beaucoup plus bien. Tu me bénis, je te bénis. C'est comme ça. Tu me fortifies, je te fortifie. C'est pourquoi il y a rien de gratuit en fait. Malheureusement, on a une mentalité d'avare, de pègre. Amen. C'est ce qui fait qu'on est bloqué, la table vient bloquée. Peut-être parce que tu ne partages pas, c'est toi ta. Ton problème est toujours là. Tu es toujours pas là parce que tu ne partages jamais. Alléluia. Tu ne partages pas. C'est la seule manière d'adorer. L'adoration se trouve dans ce qu'on donne. Je vous dis la vérité. Quand on dit adoration, c'est pas je dis chaque fois qu'on fait adoration là. Il faut amener en même temps l'offrande là devant. C'est là surtout la vraie adoration. Je vous disais, de ce moment, c'est ça. Dis, la vraie adoration, c'est ce que les gens donnent. C'est pas ce qu'ils disent. Non. Parce qu'ils donnent, c'est ça le cœur. C'est la mesure de leur cœur qu'ils donnent. Donc le monsieur, il a bien fait Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es ceci, tu es cela. Et il va avec mes enfants de là. Il laisse ça de là. Et garçon bien approché. Et dit qu'il a tordu. Oh Seigneur, je te. Seigneur, prends-toi en moi. Seigneur, prends-toi en moi. Oh Seigneur, je t'appartiens. Tu appartiens au Seigneur, mais ton argent appartient à qui? Hein? Appartient à qui? La vraie adoration, c'est ça. C'est quoi en Israël, tu as donné la gloire comme ça. Il faut donner. Parce que ça, quand tu donnes, ça te coûte quelque chose. David a compris ça. C'est pourquoi David est le meilleur adorateur. Il s'est donné. Il donne. Salomon aussi a compris ça. Il donne. Adoration donne. Il met beaucoup dedans. C'est ce que la femme là avait avec Jésus avec moi. Elle a compris. Parce qu'elle a compris tout ce qu'elle a. C'est ça, adorer Dieu. C'est pas venu pleurer, rouler par terre. Non. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, vraiment, je vous exhorte à ne pas fléchir, à ne pas baisser. Amen. Gardez ces quelques commandements sur le principe de l'amour. Vous allez voir que vous avez fait de grands espoirs. Au Sénégal. Jésus sera glorifié. Les gens vont craindre Jésus que vous adorez. Les musulmans vont amener leur richesse ici. Alléluia. Les féticheurs vont amener leur richesse ici. C'est comme cette culture. Amen. Les marabouts vont amener leur richesse ici. Nous allons dépeupler. On va pourvu le royaume des ténèbres. C'est comme ça. C'est pour vous dire que un enfant de Dieu. Quand ils plaident au païen, ils plaident avec intérêt. Parce que le païen est dans les ténèbres. Amen. C'est un précieux expliqué. Mais toi, tu dois savoir que qu'est-ce que Dieu te demande? L'amour. Donc, il faut comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Donc, bien aimé, le temps est tellement serré. Alléluia. Qu'on soit obligé de réduire tout ce que nous voulons dire dans ces quelques mots que vous avez reçus. Amen.
Je sais que la mission ici, pour moi, c'était une mission de témoignage. Parce que, je vous assure, je sais d'épuiser les dernières réserves d'énergie. Amen. Et tout à l'heure, c'est maintenant comme une belle énergie. Alléluia. Donc, si vous continuez, tu vas continuer. Amen. Comme il y a aussi la mission de la Côte d'Ivoire, ça va deux ou trois semaines. Vous voyez, on a encore le bâtiment. On va encore faire la même chose. Donc, il faut qu'on aille de l'autre côté aussi. Amen. Et vous, vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu. Vous êtes devenu maintenant du cran. Amen. Vous avez crèche. Vous n'êtes plus au lait. Vous avez plus de 2 ans même. Amen. L'enfant a plus de 2 ans. Amen. Il peut se débrouiller. Il peut laver ses culottes. Il peut laver ses chemises. Il peut se débrouiller pour se laver, mais il peut se brosser la dent. Ou bien, c'est ça, non? Comme ça, dit que quand même, vous avez grandi. Et là, Dieu se devient aussi exigeant. Amen. Comme les parents deviennent exigeants quand l'enfant grandit, Dieu se devient exigeant. Alléluia. Donc, nous allons disposer. Amen. Tu vas te tenir debout. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur ce message. Ce message qui est interprété. Ce message qui est interprété. Amen. Tu vas le bénir. Tu vas le Seigneur, merci. Je vous prie, monsieur. J'ai comment le raisonnement du concept de l'amour. J'avais une façon de vivre ma vie chrétienne. Je me suis dit, je vais ouvrir les yeux. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Papa, merci. Tu as enlevé les écailles de mes yeux. J'ai compris aujourd'hui le véritable sens de l'amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore bénir le Seigneur pour cette mission qui est en train de terminer en ce moment, parce que c'est un grand témoignage. Alléluia. C'est un grand témoignage pour nous que la mission se termine, parce que il y a des âmes qui ont été sauvées, il y a des guérisons, il y a des témoignages, plein. Amen. Donc nous allons remercier le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci. C'est l'élégance que tu as oublié. Seigneur, merci car tu as renouvelé ton église. Oh Seigneur, merci car tu m'as renouvelé, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette visitation spéciale. Seigneur, nous te bénissons pour cette visitation spéciale. Oh Seigneur, je te remercie. Merci pour la élégance que tu as oublié dans ma vie. Seigneur, merci pour le renouvellement que tu as opéré dans ma vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier encore. Est-ce que tu veux que le Seigneur donne ce cœur? Le cœur est ici. Alléluia. Quand tu vas prier, Seigneur, enlève le cœur du bon péché. Le cœur du bon. Le cœur animal, le cœur insensible. Parce que si le cœur est insensible, le cœur ne peut pas aimer. Amen. Un cœur insensible, c'est un cœur qui n'aime pas partager parce qu'il ne connaît pas la douleur de l'autre. Alléluia. Un cœur insensible n'a pas la compassion. Amen. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux avoir un cœur nouveau. 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 Enlève-moi.
Allez-moi. Ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre. Ce cœur insensible. Ce cœur insensible. Ce cœur animal. Ce cœur animal. Ce cœur qui ne partage pas. Ce cœur qui ne partage pas. Ce cœur faux. Ce cœur faux. Hypocrite. Hypocrite. Colérique. Colérique. Mensonger. Mensonger. Prie au nom de Jésus. Le Seigneur demande de nous. Dis-le, Dieu, parce que je vous ai dit, ayez soif de Dieu. Tant que vous n'avez pas soif de Dieu, vous ne pouvez jamais aimer. Amen. Celui qui a soif de Dieu, celui qui a soif de Dieu, celui qui cherche de Dieu. Celui qui vraiment a la recherche permanente de Dieu à travers les œuvres. Alléluia. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Dans ma vie. Dans ma vie. Ta promesse. Ta promesse. Dans laquelle. Dans laquelle. Tu me donneras. Tu me donneras. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Accomplis-la. Accomplis-la. Maintenant. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un
Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, descend, descend, descend,
Monsieur,
Thank you.
Kante lo shita lo. Iba la reke lo. Kante lo lo senti. Iba shita lo. Kante lo 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 senti. Kante lo lo shita lo. Kante lo 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 senti. Iba la shita lo. Kante lo lo shita lo. Iba la 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 senti. Kante lo 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 senti.
Tu as passé. Le Seigneur veut me répondre les dons. Saint-Esprit, les dons qui restent, commence par les répondre. Les dons pour servir la vie. Saint-Esprit, réponds ces dons. Réponds à la lettre. Au nom de Jésus. Que tous les hommes viennent devant. Que tous les hommes viennent devant. Les hommes viennent devant. Viennent devant. Le Seigneur veut que tu sois le plus béni. Viennent tous devant. Tous les hommes viennent devant. Le Saint-Esprit fait quelque chose avec. L'Esprit de Dieu fait quelque chose avec les hommes. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, voici ceux-là que toi tu dis. Voici ceux-là qui se sont laissés venir à toi. Et c'est ceux-là que tu veux transformer au parfait dans le champ, à la moisson. Alors, Saint-Esprit, maintenant, que le vieil et le bon soit ouvert. Que le vêtement ancien soit déchiré. Tu as dit, prier le maître de la moisson qui envoie le souffle de sa moisson. Oh, parce que les ouvriers manquent de la moisson. Voici les ouvriers qui sont devant toi. Voici les ouvriers qui sont devant toi. Aujourd'hui, cet esprit. Joseph, aujourd'hui, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui qui te connaît, celui qui te songe, celui qui sait qui tu es, celui qui sait ton début et qui connaît ta fin, aujourd'hui, il t'appelle dans cette mission, oui. Ce n'est pas toi qui vas travailler, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend sur toi, à l'instant. Maintenant, avec un manteau ministériel, ce manteau descend sur toi. Maintenant, tu reçois le manteau de l'évangéliste au nom de Jésus. Reçois le manteau de l'évangéliste. Reçois le manteau de l'évangéliste. Dans le temps,
Daniel, maintenant, pour déclarer le danger, le danger, la parole, maintenant, le don de parole, le connaissez tous encore. Je sais que vous avez l'état réel, l'état spirituel des cœurs, des âmes qui sont dans le bon. Les âmes que tu as mis dans le monde, les âmes que tu as conquéries pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes cieux. Il ouvre tes cieux. L'Esprit de Dieu ouvre tes cieux maintenant. Il ouvre tes cieux maintenant. Il ouvre tes cieux maintenant. Il ouvre tes cieux maintenant. Le chant des camps. 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 Évangélisation. Le chant des camps. Le chant des camps. Les âmes humaines. Les âmes humaines. Va chercher les âmes humaines. Va chercher les âmes du va chercher les âmes pour protéger. Va les chercher. Les âmes qui sont dans le mal de va les chercher. Les âmes qui sont dans les fausses religions, va les chercher. Les âmes qui sont assises avec la croix, la position, va les chercher. Reçois la puissance dans le nom de Jésus. Tu reçois les chaussures de l'évangéliste. Le Seigneur enlève cette vieille chaussure, les enlève. Il te chausse les chaussures de l'évangéliste. 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 Maintenant. Seigneur, tu donnes le temps de prédication. Maintenant, on prêche. Prêchez les salamations. Prêchez les salamations. Prêchez les salamations. Tu es réveillé. Le Saint-Esprit te réveille. Ouvrier du champ, du Seigneur, il t'appelle, reçois l'équipe,
ressort les libres aujourd'hui. Tu es fou. L'onction est sur toi. L'onction qui servit dans le temple de Dieu, la maison de Dieu est sur toi. Maintenant, cette onction t'amène dans le miracle. L'onction t'amène dans le miracle. Tu vas travailler avec le miracle. Tu vas travailler dans le miracle. C'est moi qui ai été appelé du Seigneur. Appelé du Seigneur. Appelé dans la moisson. Aujourd'hui, ce monteur sur toi. Ce monteur sur toi, appelé du Seigneur dans la moisson. Ce monteur sur toi. Cette puissance est sur toi. Aujourd'hui, tu reçois. Cette main de touche. Aujourd'hui, le manteau de l'évangéliste est sur toi. Le manteau de l'évangéliste est sans sur toi aujourd'hui. Ressens ce manteau. Le manteau de l'évangéliste est sur toi. Le manteau de gagner des âmes est sur toi. Le manteau de gagner des âmes est sur toi. Touche.
tu le touches aujourd'hui. Il t'a donné du sens. Il t'a donné du sens, du sens maintenant et de ta vie. La main de Dieu sur toi. La main de celui qui est et qui vient sur toi. Appelé dans la moisson. Appelé dans la moisson. Appelé dans la moisson. Aujourd'hui, reçois le retour. Tu reçois le retour. J'ai de la force. Le don de la capacité de chasser la mauvaise esprit. Aujourd'hui, on reçoit cette capacité. Maintenant, oh, je vois même les bonnes choses.
excusez de moi par conscience. Parce que Dieu est juste. Allez, dans son rôle spirituel. Pour toi spirituel, Dieu te prépare. Le Seigneur te prépare. Tu prépares ceux qui essaient, qui prennent le cas. Te prépare. Dis, laisse-moi le cœur. Je veux le transformer. 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 Tu reçois Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, le Seigneur Jésus. D'abord, Jésus, à l'état que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur Jésus, voici ton Église. Papa, je veux te la voir. Je veux te présenter cette nouvelle Église, cette nouvelle confiance. Je te prie, Père, du haut des cieux, tu les soutiens. La mission est en facilité, mais sois toujours derrière nous. Sois toujours devant nous. En cas, Seigneur Jésus, donne la sagesse, donne la détermination, que le royaume de Dieu soit profité. Que le royaume de Dieu soit publié au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que cette fête soit une église puissante. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le temps est là, justement. Le temps nous met la pression. Amen. Nous sommes sous pression du temps. Je dis qu'il y a beaucoup de choses que. Nous sommes obligés de raccourcir. Amen. Et je ne peux pas venir ici sans que ce soit, quel que soit le point qui soit de le faire. Amen. Alors, l'Église, Jésus, au nom de Dakar, comme je vous le dis, est en train de faire son chemin de bonheur. Et comme c'est une famille, si c'est un pays qui a deux ans, la plus forte, on te donner encore de bébé, c'est ça, non? Alors, je vais présenter ces décals ici, ces décals de Jésus-Christ, c'est très bien de vous présenter avant que je ne passe. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur est venu, parce que le Seigneur est venu ici. Alléluia. Je ne sais pas seulement vous voulez commencer le mariage, non, passez le mariage, vous avez aussi. D'accord, amen. Nous sommes vraiment regardés à la télé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais présenter les deux derniers suivants parce que on a chanté avec eux pour s'assurer et on a eu tous les éléments qu'il faut et c'est bon. On ne peut pas cacher. Amen. Donc, on va les présenter devant. L'Église. Amen. Comme vous savez, quand tu vas voir le frère, ça va être fait. Amen. Quand tu vas voir la sœur, vous savez que la sœur, elle est venue libre. Mais c'est très bien. Vous pouvez le faire avec vous. Alléluia. Donc je vais écouter le pasteur Jérémy. Amen. Maintenant, je vais présenter l'oiseau là. Quel est cet oiseau maintenant? Hey, est-ce que l'oiseau est dans l'église ici? Ou bien on va chercher l'oiseau pour Alléluia! L'oiseau est où? Amen! L'oiseau est ici. Pour l'esprit. Amen! Alléluia! Le pasteur, je l'ai appris tout son temps. Amen. Il a regardé. Il a encore regardé. Il a eu sur la montagne. Il est descendu. Il est reparti. Alléluia. Et le Seigneur a dit, c'est elle. Amen. C'est elle. Mais qui est elle? Alléluia. Alléluia. Elle, c'est la sœur de Rebecca. Hey!
aujourd'hui, on ne peut pas cacher cela. Je ne peux pas aller au Bénin sans aller avec cette bonne nuit. Alléluia. Donc, voilà le pasteur Jérémy et la bien-aimée, la chanteuse Jérémy, se sont réellement accordés pour vivre désormais ensemble. Donc, le processus du mariage est officiellement ouvert. Alléluia. On ne commence pas à se préparer pour le grand jour du mariage. Alléluia. Vous avez vu, Amen. Seigneur Jésus de Nazareth, c'est toi qui bâtis, que personne ne peut remercier. Ce que tu établis, qui peut remercier cela? Voici devant le monde entier, devant le peuple de Dieu, ton Seigneur Jésus et ta servante Rebecca se sont engagés à vivre désormais ensemble, Seigneur. Papa, je vous prie, ce processus qui vient de s'ouvrir devant le monde entier, je prie que ta main puissante le conduise jusqu'à la fin, Seigneur. Que tu donnes, papa, à ton serviteur et à ta servante, Seigneur Jésus, la capacité, tu donnes la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, je te prie que tu les bénis, Seigneur. Tu bénis ce que ce papa, tu bénis ce que la toi, tu bénis ce mariage, et tu l'accordes, Seigneur Jésus. Tu l'accordes tout ce qu'il faut, papa. Que cette famille soit une famille heureuse sur la terre, une famille qui va vraiment peupler la terre, une famille qui va vraiment peupler la terre. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas tout ça. Toute l'âme qui va se lever de la famille, nous les pressons au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta mère les accompagne jusqu'à la fin, jusqu'au matin du jour, au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, il y a un autre cas que je peux aussi présenter. Alléluia. Ce cas est un peu particulier. Amen. C'est un peu particulier parce que le processus n'était pas avancé. Et si on n'en avait pas devant l'église, vous ne m'avez pas informé. Amen. Vous ne m'avez pas informé. Donc, si vous ne m'avez pas informé, comment je vais partager cette joie? Alléluia. Parce que le mariage, c'est toujours une source de joie. Amen. C'est une source de joie. Et c'est très important de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Toi qui es là, le Seigneur se prépare pour tout. Amen. Je viens pour toi, le Seigneur aux États-Unis. Alléluia. Amen. Donc, je vais inviter. Le frère Christian et la soeur Elisabeth. Alléluia. Amen. La soeur Elisabeth, très bien. Amen. Alors, c'est un cas particulier parce que les gars, tellement avancé, on a été informé avec le plus de sur le cas et on a pris certaines mesures en ce qui les concerne. Amen. Donc, je ne peux pas venir ici et laisser ça comme ça. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la donne a été donnée. Amen. A été donnée parce que dans des conditions particulières. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, eux, ils ont commencé la relation sans nous avoir informé. Amen. On n'était pas informé, c'est après qu'on a été saisi. Donc, le processus a un peu changé avec nous. Contrairement à l'autre, où on a été saisi au début. Amen. Donc, nous avons pris acte. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas rejeter ce sont ces prévus de l'Église. Là, ils ont fait erreur. Nous avons essayé de corriger. Amen. Donc, voilà, ils se préparent pour le mariage. Donc, désormais, quand vous le voyez, c'est aussi son père qui a saisi. Amen. Ma soeur Elisabeth, elle est au pupé. Le frère Christian est au pupé. Attends, les élèves. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, je te prie.
changer d'attitude de position. Que le ciel s'édifie cela. Que tu leur donnes la force, que tu leur donnes les moyens, que tu leur donnes tout ce qu'il faut. Que ce projet aille jusqu'au bout de la foi de ton nom dans cette église. Seigneur, soutiens le Seigneur pour combattre la solution qui nous parle. Et toujours au nom de Jésus. Seigneur Jésus, garde tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour la suite. Alléluia. Amen. Donc voilà, tout ce qui commence bien. Seigneur, bien. Donc nous allons nous disposer. On va faire notre offrande rapidement pour partir. Alléluia. Lève-toi pour nous, que l'offrande est repartie. Amen. Aujourd'hui, c'est un embouteillage. Et un embouteillage ce soir. Amen, amen. Allez, rapidement, rapidement, rapidement. Voilà, amen. Petit chant. Nous allons vous consacrer cela, on va remplir la porte de ma vie en bas. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice d'adorer. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Voici ce que ton peuple a encore à